Bonjour, messieurs, dames. Je suis en direct de chez moi, je n'ai pas la webcam d'affichée, oui, je sais, car malencontreusement, elle a eu un petit problème technique. J'essayais de régler ça avant de lancer, et malheureusement, ça ne sera pas possible. Vous m'aurez, telle une commentatrice radio, je ferai ma voix la plus suave afin de vous faire partager ce tournoi qui débute aujourd'hui. Eh bien, sur les chapeaux de roue, bien entendu. J'ai bien entendu fait en sorte de lancer la première game tout de suite afin que nous ne perdions pas plus de temps. Excusez-moi, bien entendu, pour le retard. Nous sommes donc partis pour ce Highlander du Cheshire. Donc, comme personnage aujourd'hui, pour célébrer cette première édition, nous aurons Lee Sin. Donc, j'ai fait en sorte du coup que vous m'envoyiez des mails assez particuliers pour toutes les personnes qui voulaient participer au tournoi, donc 1v1. Du coup, j'ai sélectionné des Lee Sin qui m'ont paru les plus aptes à concourir sur ce tournoi. Donc nous commençons aujourd'hui le match, le premier match entre Slayer Tokiro et Sired, qui sont donc tous les deux Silver. Donc oui, j'ai essayé de prendre un peu de tout. Nous avons du Silver, du Gold, Platine, ainsi que un match de Diamant aussi, bien entendu. Donc voilà. Les deux sont partis afin de concourir sur ce premier duel. Donc comme vous pouvez le voir, oui, c'est tout parfait. Donc voilà, excusez hein, malheureusement pour le petit souci de caméra. Je voulais faire un petit montage dégueulasse afin de mettre une petite photo de moi à la place dans le petit carré noir. Et c'est vrai que j'ai oublié entre-temps parce que j'étais en train de parler avec ces messieurs afin qu'ils soient prêts et lancer la game, etc. etc. Et ainsi, j'ai oublié de vous mettre une petite photo de moi afin que vous ne vous sentiez pas trop perdu. Et au final, je ne l'ai pas fait. Je verrai ça à la prochaine pause, bien entendu. J'en profiterai. Ainsi donc, oui, on va bouger ça par là, comme ça vous n'avez pas à voir tout ça. Je voulais vous faire part, avant que la game se lance, du coup des petits. Alors, je vais trouver. Alors, est-ce que je vais trouver les bons? Oui, tout à fait, je trouve les bons. Je voulais vous faire part un peu des petits mails que j'ai eus, que de certaines personnes ont envoyé des poèmes. J'ai même eu un Vine, oui, parce que j'avais bien précisé, s'il vous plaît. Essayez d'être original afin de vous démarquer des autres, tout simplement. Une photo dégueulasse de moi-même, oui. Et du coup, je voulais vous faire part de certains poèmes qui m'ont été envoyés. Par exemple, Sired. Alors, si je retrouve exactement le bon mail, car malheureusement, ce ne sont pas les pseudos des gens, c'est un peu plus compliqué. Et la game se lance, malheureusement. Donc, on verra ça plus tard. Très bien. Ainsi donc, vous aurez le droit, ainsi, maintenant, tout de suite, à cette game. Si cela veut bien. Eh bien non, bien entendu. League of Legends, client ne répond plus. Eh si, c'est bon. Oh, parfait. Nickel. Très bien. Voici le versus Telesin. Vous allez avoir un combat de titans. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je voulais vous faire part, oui, du poème que j'ai eu, enfin des poèmes qui ont été envoyés. Poèmes et autres photos. Et un seul Vine. Ce qui n'est pas. Ah, déjà, ça va vite. Très bien. Nous voici dans cette game. Cette première game, ce premier tournoi. J'espère que ces messieurs sont ready. Ils achètent leurs items. Alors, ils sont partis sur quoi? On est parti sur un élixir d'un côté et pas de l'autre. Très bien. L'autre, c'est parti un peu plus défensif du côté de Slayer Tokiro. Un peu plus défensif. Il est parti sur un Doran Shield et une Doran Blade. Tandis que du côté de Sired, c'est parti sur deux Doran Blade ainsi qu'un élixir, un élixir en plus. Alors, pourquoi il a pris une potion de mana, je ne sais pas. Peut-être un petit troll de sa part. Est-ce que ça va nourrir les pauvres? Très bien. Nous sommes partis. Alors oui, je rappelle donc les bases de ce tournoi 1v1 qui seront bien entendu le First Blood ou une tourelle ou les 100 creeps comme
n'importe quel tournoi classique. À part que là, ça se jouera au skill du qui manie le mieux le personnage en question. Voilà. Donc il est Lee Sin aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Cyrille AFK sous sa tourelle. Comme nous sommes en Naram, ça commence très bien. Ils ont déjà trois pouvoirs, donc ça va être à qui fera le premier move. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont y aller défensif d'un côté, l'agression? Est-ce qu'ils vont peut-être attendre le level 6? Un petit Q qui a été posé du côté de Slayer, et ça y va. Il est reparti aussitôt, il n'a pas eu le temps de prendre la réplique de Cyred. Alors, je vais me mettre le chat sous les yeux. Non, ils n'ont pas assez, il me semble, pour acheter un Tiamat directement en first item. Après, tout dépend, je crois qu'ils peuvent se permettre certains petits objets à 1300, quelque chose comme ça. 1200. Ah, attention, petite agression entre les deux. Slayer Tokiro, il prend l'embrasement et la fatigue. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui. Il claque sa fatigue juste derrière afin de s'en sortir. Cyred qui a donc pris l'avantage sur ce premier trade. Slayer Tokiro qui se retrouve un peu en difficulté pour le coup. Mais ça push ou sa tourelle, il va s'en sortir. De toute façon, il va pouvoir se permettre de régén un peu sur les creeps. Ah, les gens jouent leur vie, mais bien entendu, ils jouent afin de gagner ce tournoi et de prouver qu'ils peuvent être le meilleur Lee Sin possible. Donc je peux comprendre la pression. Il y a beaucoup de pression, bien entendu. Mais voilà, ils auraient pu se permettre de s'acheter un brutaliseur en premier objet. Mais après ça, ils n'auraient pas eu de... Attention, c'est reparti. Cyred prend bien l'avantage avec sa potion. Il a utilisé sa potion rouge. Son élixir, tout à fait. Il a utilisé son élixir. Du coup, c'est dommage et sa vie sont augmentées. Ouh, Slayer Tokiro, attention. Et le First Blood qui est en faveur de Cyred 2. GG Cyred, tu gagnes cette première manche, enfin ce premier match. GG. Voilà, ça a été vite au final, hein. Il a complètement pris l'avantage, il a voulu jouer safe du côté de Slayer Tokiro, ce qui n'était pourtant pas si mal parti. Alors, j'aimais les messieurs qui sont ici. GG messieurs. On va sans plus attendre passer au second match. Alors, on va créer. Touk. On va mettre pas vraiment de mot de passe. Et on va inviter ces messieurs. Donc, qui ai-je dit qu'il y avait en second? Je l'ai noté. Alors, où ai-je balancé ça? Ah, voilà. Paquité et... Ah, oui, c'est vrai qu'il manque quelqu'un. Peux-tu me réinviter dans le groupe? Oui, bien entendu, monsieur. Bien entendu. Où est-il? Il est là. Pas quitter le last. Très bien. Il n'est pas là pour le moment, donc je vais prendre Nexus et Olive. Nexus et Olive, très bien. On va inviter Nexus. Alors, hop, Nexus et Olive. Invite, messieurs, s'il vous plaît. C'est quoi le lien du chat? Le chat SVP. Le chat de quoi donc? Ah, Victor Urgo, te voilà. Je t'ai justement ajouté en ami et tu ne m'avais pas accepté encore. Merde. Oh, où est-ce que j'ai tapé ça? Victor Urgo. Accepte-moi dans tes amis. Ah bah tu es là. Très bien. Parfait, super. Bah voilà, comme ça je t'ajoute dans le chat. Et tu pourras faire... Bah, hop. Gogo, whenever. Quand vous voulez, les gars. Monsieur Olive, c'est à vous de lancer, je vous en prie.
Landry. Whenever you're ready, allez-y. Voilà, parfait. Je les ai mis en amis car c'était plus simple. En fait, quand j'ai voulu commencer le stream tout à l'heure, aucun d'eux n'avait rejoint la conversation que je leur avais donnée, celle-ci. Ainsi, je me suis dit, bon, ils ne sont pas très dégourdis, alors je vais les inviter moi-même. Donc, je les ai invités en amis et je les ai en amis car c'est plus simple. Sinon, ils n'avaient pas compris la demande que je leur avais faite, qui était celle de rejoindre cette conversation Highlander du Cheshire. Et oui, ton adversaire est là maintenant, Paquité. Donc le prochain match sera Paquité contre Victor Urgot. On avait un autre chat. Je sais pas pourquoi. Ah, vous aviez un autre chat. Avec le même nom. D'accord. Très bien. Ah d'accord, bah ok, d'accord. Bah alors c'est chelou. C'est très étrange. Je ne sais pas pourquoi. Peu importe. Ah, c'est parce qu'il y a une majuscule à Highlander et vous n'aviez pas mis de majuscule à Highlander. Tout s'explique. Alors, je voulais prendre un peu de temps afin de faire en sorte de vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Alors, est-ce que Olive et Nexus m'ont envoyé des choses intéressantes? J'aimerais bien le vérifier. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai reçu comme merveille? Attends, j'aurais dû les noter à la base. Je voulais le faire par rapport aux gens qui sont en guerre. Ah, j'ai Olive. Ah, j'ai trouvé le mail de Olive. Ah, Olive 9. Enfin, X. Je ne sais pas exactement. Olive X. On va dire Olive X. Olive X, c'est bien. Olive X est le seul à m'avoir envoyé une petite vine. Et je vais vous la montrer d'ailleurs. Je vais essayer de vous partager ça. Hop. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi ressemblait cette vine de Olive X. Je vais vous mettre le son. Ça sera plus sympa. Prêt. Elle est où la caméra? Je suis le meilleur ici de France. Je suis prêt. Elle est où la caméra? Je suis le meilleur ici de France. Je suis prêt. Elle est où la caméra? Je suis le meilleur ici de France. Voilà, donc ça tourne en boucle, hein. Après, de toutes les façons, c'est un Vine, hein. Voilà, c'est fait pour tourner en boucle. Et voilà, donc Olive était le seul à m'avoir envoyé un petit Vine directement. Et du coup, oui, je vous partage ça directement, bien entendu, sinon ce n'est pas très intéressant. C'est plutôt fun. Mais non, voilà, les gens ont quand même participé à un minimum, en tout cas en ce qui à ce niveau-là, et... Olive est sortie du lot directement, ayant fait une petite vine sympathique. Et alors, Nexus74bis, que je retrouve ton mail afin de voir ce que tu m'avais envoyé comme merveille. Ah ah, le voilà. Ah, alors, Nexus a écrit un poème. Je vais vous le lire afin que vous puissiez partager l'engouement que j'ai eu. Il y a eu beaucoup de gens qui, au final, n'ont pas trop joué le jeu. Étaient juste là, oui, je voudrais m'inscrire. J'ai tel pseudo, je suis tel rang, et voilà. Et c'est tout. Merci, bonjour, au revoir. Même pas ça. Donc, c'était pas très drôle. Bien entendu, j'ai pris tous ceux qui ont fait l'effort de rajouter un petit quelque chose. Ainsi donc. Monsieur Nexus 74 bis, on dirait que c'est une adresse. Il a écrit un poème qui commence ainsi. La bataille faisait rage sur la faille de l'invocateur. Des flashs étaient craqués ici et ailleurs. Du Jax Feed, tout son a peur. Les hommes tremblent, les filles pleurent. Il brandit son grand lampadaire, surgissant furtivement tel un éclair, pour prendre ses ennemis à revers, prêt à abattre ses adversaires. La victoire est proche, tout est fini, un dernier effort pour les Nexus ennemis, mais quand la fierté l'envahit, il pose les yeux sur sa Nami. Depuis un moment, elle n'a pas bougé, le Nexus n'est pas tombé, mais la partie est terminée, il le sait. Le serveur EUS a frappé, il a encore planté, encore une promo de raté. Et voilà, c'était le petit poème qu'a envoyé Nexus. Hop, et le chargement qui commence. Parfait. On fait toutes les choses dans les temps.
Excusez-moi, c'est quoi le chat IG du tournoi? Je ne peux pas le rejoindre. Tu ne peux pas le rejoindre, mais j'ai mis de toutes les façons, c'est moi qui ai rajouté les gens dans le chat IG du tournoi, afin que ce ne soit que les gens qui participent au tournoi qui soient dedans, et non pas tout le monde. Et non, ce n'est pas la semaine du Jax. C'est la semaine du Lee Sin. Et pour autant, il a fait un petit poème sympathique. C'était plus un poème sur le thème du serveur EU West, hein, de notre bon vieux serveur qui a un peu de mal encore et toujours à servir à bon escient. On my way, n'arrive pas. Et pourquoi On My Way veut nous rejoindre? Il n'est pas dans les gens sélectionnés. Je t'ai enjeté un ami, chat, du coup, accepte-moi une idée, s'il te plaît. Pourquoi tu voudrais que je t'ajoute On My Way? Je ne comprends pas. Très bien! Nous sommes partis en game. Cette deuxième game qui fait se rencontrer Nexus contre Olive. Ils sont tous les deux partis très agressifs, à part Olive. Non, c'est Nexus, pardon, qui est parti avec un élixir. Est-ce que l'élixir va encore payer cette fois-ci? Ça avait bien joué. Ça avait bien fait la différence sur la game précédente. Est-ce que, pour le coup, et là, une troisième Doran Blaze pour Olive, est-ce que ça fera la différence? Le deuxième Q qui touche pour Nexus. Nexus 74 bis, exactement. Elle ne l'a pas vu. Il tire dans les forêts, mais il est juste à côté. Et le Q qui touche pour Olive. Une bataille de skill, fait rage. J'ai compté, pour le moment il y a deux Q touchés de la part de Nexus. Ah bah voilà, c'est bon, ils sont à égalité maintenant. Aussi deux Q touchés de la part d'Olive. Attention, agression de Nexus sur Olive. Le petit Q qui passe. Je sens que cette rencontre va faire des ravages. C'est toujours tentant de rappuyer sur son Q. Attention. Attention, est-ce qu'Olive va y aller? Est-ce qu'Olive va appuyer? Non. Non, pas cette fois. Attention. Il va falloir être vif. Un stream beaucoup basé sur le Q, évidemment. Ou oh, pardon. J'ai bougé ma. Sur l'onde sonore, plus exactement comme ça. On va regarder exactement. Voilà, l'onde sonore, si vous préférez. L'onde sonore. La tempête. Beaucoup basé. Un stream beaucoup basé. Un personnage beaucoup basé sur l'onde sonore, bien entendu. Du coup, bah, au final, Olive se retrouve un peu à rester sous sa tour et à farmer sous sa tour. Il a pris pas mal d'agressions de la part de Nexus. Les petits heals qui viennent de pop. Et au niveau du farm, par contre, Olive est aussi un peu dépassé au final. Il farme sous sa tourelle, mais pas si bien. Il se méfie. Nexus est très 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 agressif, il va le chercher sous sa tourelle. Et là, Olive y va, il l'embrase, il l'en... Oh, Nexus qui fait la même chose au retour, et le First Blood pour Nexus! Bien joué! Très bien joué de la part de Nexus74.
qui a pris le First Blood sur Olive et qui gagne cette partie directement. Bien joué. Ce fut Bred. Bref, de toute façon, ça ne dure jamais très longtemps. Et on a senti que Nexus était très très agressif sur cette game. Hop. On va mettre tout de suite directement hop, enchaîner sur la prochaine game. Create. On avait donc pas quitté contre monsieur Victor Gott. Voilà, tout à fait. Hop. Que dis-tu pas quitter? Mon super montage pour après si tu veux. Ah, tu me montes ton montage. Très bien. C'est bien gentil à toi de me le donner directement. 3 secondes de moins que la précédente. Eh bien, bravo les gars. Ce fut. Est-ce que je pourrais t'appeler Moufi? Oui, Moufi, si ça te fait plaisir. Whenever you're ready, guys. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de changer de scène. Excusez-moi. Whenever you're ready, guys. Donc, Paquité et Victor Urgot qui ont été. Été mis une idée. Une idée de quoi donc? Que de quoi te parles là-dessus? Ah, une idée là-dessus? Chat, pourquoi tu ne veux pas dans une idée de team comme ça? C'est pas problème. Parce que ça me permet de papoter un peu avec vous et avec le chat. Et c'est pas, ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, mais je sais que je prends le délai de 3 minutes, hein, du coup, il n'y a pas de souci. Je préfère, je trouve ça plus sympa à ce niveau-là. Au moins, je vois vraiment ce qui se passe que d'être dans une team où au final, je ne saurais pas où est l'autre. C'est mieux d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Donc, pas quitter, oui, ok. Alors, pas quitter, il nous avait envoyé un montage particulièrement magnifique qui était de toute beauté, j'ai envie de dire. Qui était celui-ci. Voilà, un superbe montage d'un Lee Sin Trindamere avec une tête de noix entre ses mains. Que m'avait-il dit ce jour-là? Il m'avait dit qu'il y avait un genre de message dans cette image. Et ainsi, je me devais de le prendre dans le... Voilà, il avait dit quoi exactement? Voilà. Lee, champion de ce dimanche, Skin Islander Trindamere, tête de noix. Highlander, le but est de décapiter les autres pour leur prendre leur puissance. Pourquoi ne pas viser la puissance incarnée alors? Donc c'est pour ça ainsi qu'il a mis noix. Et il s'excuse bien entendu auprès de lui pour ce montage vraiment immonde. On t'excuse, pas quitter. Il n'y a pas de souci. On prend en compte. Ah oui, le montage est très moche, hein. Ah, c'est pas ça qui m'a fait kiffer, hein, voyez-vous, le montage ne m'a pas fait briller les yeux de mille feux. Et Victor Urgot, que m'avait envoyé Victor Urgot, que je retrouve. On va regarder ce qu'il m'avait envoyé Victor Urgot. Ah oui, Victor Urgot m'avait fait une jolie participation à Highlander du Cheshire, qu'il avait fait une petite lettre comme ceci, je ne sais pas comment vous voyez, voilà. Voilà, il m'avait fait participation au Highlander du Cheshire. Jarvan, grand et pacifique empereur par la volonté de Dieu, roi des Démaciens, à la princesse chat du Cheshire. Sachez que nous avons l'intention de nous présenter à ses joutes. J'y amènerai mon meilleur chevalier, Victor Urgot, possédant le blason Gold 1 et 30 années d'expérience. Que chaque cavalier ait un écu, une lance, une épée courte, un arc et un carquois garni de flèches. Qu'il y ait dans vos chariots des outils de tout genre, ainsi que de la nourriture pour ce jour, sans oublier des armes et des vêtements pour 6 mois. Nous te demandons de veiller à ce que la population nous procure du challenge, du fun et du beau jeu, mais pas davantage. Veillez à ne commettre aucune négligence, si vous voulez garder ma bonne grâce. Donc c'est Jar24 qui m'a écrit. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça c'est Victor Urgot qui m'a envoyé ça. Avant de participer en ce jour, il m'a envoyé ça. Voilà, donc ça, c'était les petites participations de Paquité ainsi que Monsieur Victor Urgot. Voilà,
c'est ce sont, bien entendu, des choses fort intéressantes. Le texte était plutôt pas mal, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir fait ça sur un petit parchemin, comme si c'était quelque chose de très solennel que de participer. Excusez-moi un instant, j'ai répondu à un message. Delay remaining, nous avons encore 40 secondes à patienter pour ce troisième match. Donc jusque-là, nous avons Seared 2 contre Slayer Tokiro qui a été vu. Donc Seared 2 qui a gagné contre Slayer Tokiro. Et après ça, nous avons eu Nexus 74 bis contre Olive 9, exactement, qui a vu l'emporter Nexus 74. Voilà, j'ai noté tout ça, ne vous inquiétez pas, bien entendu, j'ai noté qui étaient les gagnants, qui ne l'étaient pas. Et ainsi, on se retrouve maintenant avec ce troisième match. Victor Hugot, pas quitté. Qui l'emportera? Là est la question. Nous allons bientôt avoir la réponse. Car la game se lance. Et ce troisième match de Lee Sin commence. J'aurais bien aimé avoir des musiques un peu stylées, voyou, genre versus fight. Ça aurait été plutôt pas mal. Ainsi, comme c'est la première édition, je suis un peu débordée et j'ai été un peu prise par les événements. Mais c'était pas pour autant que je ne m'en sors pas. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Chat, ça vient, ça va. Oui, je vais très bien, Jagger. Merci beaucoup. Ouais, j'aurais bien des... avec la musique de Highlander, il faudrait que je la cale quelque part, mais après on va avoir des problèmes de droit. Si après on doit mettre les replays sur YouTube, ça serait compliqué. Ça serait un peu compliqué, oui. Si le vainqueur a l'honneur d'affronter le légendaire Kopitz à la fin. Le légendaire Kopitz. Je n'ai pas Kopitz. Donc ce troisième match se lance. Excusez-moi, on me parle en même temps, je ne devrais pas être distraite ainsi. Ce troisième match se lance. Donc Paquité et Victor Urgot sont tous deux. Est-ce qu'ils sont tous deux? Ils sont tous deux gold. Donc nous sommes dans le Gold maintenant. Donc Paquité est Gold 4 et Victor Urgot est Gold 1. Très bien. 100%, 88%, nous vous attendons, messieurs. Nous sommes dans l'attente. Dans l'attente de savoir comment ce match va s'en sortir. Donc ils sont partis tous deux sur un embrasement, mais Paquité est parti sur le heal, alors que Victor Urgot est parti sur un... Excusez-moi, sur une fatigue. J'ai eu un peu de mal à ce niveau-là, j'étais en train de dire merde. Quel est le nom de ce sort déjà? Je n'ai plus le nom en tête. Merde. Oh. Là. Voilà, excusez. Messieurs. Fort bien. Alors, comment c'est parti cette fois? Eh bien, ils sont tous les deux partis sur un élixir de fortitude et deux Doran Blades. Voilà, au moins comme ça. Au moins depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de start qui se déroulait de la même manière. Pour autant, cette fois, ils sont tous les deux partis sur le même start. Au niveau du build d'objet. Tranquille, pépère le chat. On va voir comment ça se passe. Bon là, ça va être une petite bataille d'ondes sonores. Qui touchera le premier? Qui ne touchera pas? Où es-tu? Que fais-tu? Ça va zoner un peu. Victor Urgot a nourri le poureau. C'est un homme bien. Bravo Victor Urgot, je te félicite. J'ai
J'attends un champion plus skillé pour faire mon apparition. Enzo Tibibi, oui, Enzo Tibibi, tu attends, je suppose, un Rise ou quelque chose comme ça? Un Rise, je suppose, oui, sûrement. Sûrement un Rise pour Enzo Tibibi. Agression, Victor Urgotiva. Continue, nom de sonore qui ne passe pas du côté de Paquité. Ils se sont mis quelques coups, ils ont tous les deux claqué leur élixir de fortitude. Of fortitude. Fortitude. Ils ont tous les deux claqué leur élixir. Ça farme un peu. Pour autant, je dirais plus que ça régène. Ça régène un peu. Paquita qui a quand même pris de bons dégâts sur ce côté-là. L'embrasement qui claquait du côté de Victor Urgot. Ça ne suffit pas. Ah, le Q. Est-ce qu'il serait assez ballsy pour aller chercher Paquita sous la tour? Je sens que ça va être assez expéditif. Tu attends. Jupai attend Thresh, Lux ou Nida. Ah! C'est vrai que Nida, maintenant, il doit y avoir un peu... ça doit être un peu plus intéressant de la jouer en 1v1. De toute façon, dans la semaine, je vous ferai part du personnage qui sera choisi pour dimanche prochain. Je vous en ferai part. Attention, Victor Urgot qui est reparti pour l'attaque. Il s'est pris un petit coup de tour. Et Paquita ne se laisse pas faire si facilement. Hein. Au niveau des CS, après, je ne pense pas que ce soit très intéressant pour le moment de les regarder parce qu'ils ne sont pas partis pour avoir pour être inoffensifs et ainsi ne pas aller à l'attaque en essayant de prendre ce First Blood. Repasser au ralenti les belles dernières actions, oui, je pourrais, oui, bien entendu. Encore faut-il qu'il y ait une action. Attention, Victor Urgot qui va à l'agression sur Paquita. Il lui fait savoir que c'est son territoire. Il ne veut pas qu'il s'approche des creeps. Recule. Ils sont tous les deux passés level 6. Ça va devenir intéressant. Tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de voir. Attention, Victor Urgot, l'ulti de Paquita qui est enclenché. Pour faire reculer Victor Urgot directement, retourne dans tes creeps. Oh, l'onde sonore qui ne passe pas. Bon, l'ulti a été claqué du côté de Paquita. Victor Urgot a toujours son ulti, il a toujours un ralentissement dans la poche. Alors, voyons voir. Ouh, le heal qui est claqué du côté de Paquita. Oh! Oh, et ça ne suffit pas, il s'en sort. Je pense que Victor Hugo pensait finir Paquita sur cette ulti. Pour autant, ce n'est pas le cas. Et ainsi, l'affrontement continue. Voilà, on peut re-regarder certaines actions. Qui étaient... Celle-là était intéressante. Hop. Oh, c'est pas passé loin pour Paquita à ce niveau-là. Est-ce qu'ils se sont réaffrontés un petit coup? Non, ça c'était tout à l'heure. Excusez-moi, après on entend Écou! Écou! Une tempête chez toi, Ronflex bien gras! Ah ah! Ça c'est embêtant. Pour Karthus, on attend la fin du passif ou pas? Pour Karthus? Ouh, le First Blood! Pour Victor Urgot! GG! Ah, attendez, parce que du coup, j'étais en train de regarder le chat. Pourquoi je ne peux pas appuyer plus? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Je pense que vous l'avez vu. Voilà, allez, hop! Et voilà, Paquita qui tombe. GG Victor Urgot qui gagne ce troisième duel. Que se passe-t-il? Je n'ai mon stylo qui déconne. Victor Urgot qui gagne. Hop.
Oui, je vais m'en aller. Une seconde, laissez-moi donc une minute que je déco. Tatane dans les dents. Victor Gutki remporte ce troisième duel. Il nous en reste un. Du coup, il nous reste un duel qui affronte Ronflex Bien-Gras contre Mouti. Enfin, comment m'a-t-il dit de l'appeler? Moufi? Moufi? Moufi contre Ronflex Bien-Gras. On va regarder tout de suite, on va passer tout de suite à ce duel avant de mettre une petite page de pub. Alors, invités qui sont Moufi, pardon, Moufi et Ronflex. Un Ronflex bien gras. Voilà, hop, moi je passe ici et c'est à Ronflex de lancer Whenever You're Ready, guys. Du coup, on va aussi passer à faire un petit débat. Alors, voyons voir. Que m'ont-ils envoyé ces jeunes gens? Alors, Olivix, non, ça a été fait. Alors, Moufi. Eh bien, Moufi ne m'a pas envoyé quelque chose de particulièrement ouf ou très drôle ou très original. Alors, je pense que Moufi et Ronflex vont prendre Lissine. Je ne m'avance pas trop, mais je pense qu'ils vont partir sur du Lissine. Voilà, je pense que voilà. Donc, ce cher Moufi m'a envoyé un message à cet art, en fait. Et le fait est qu'il y avait certaines personnes que j'avais sélectionnées par avance hier qui n'ont pas répondu à mes mails. Ainsi, je me suis dit, eh bien, s'ils ne répondent pas et qu'ils ne confirment pas derrière mon mail, eh bien, je vais prendre d'autres gens. Ainsi, Moufi est arrivé à ce moment-là, juste au moment où j'étais en train de dire, bon, il va falloir que je sélectionne quelqu'un d'autre. Et Moufi m'a envoyé un mail juste à ce moment-là et je me suis dit, bon, eh bien, ça sera Moufi. Voilà, tout simplement. Donc, Moufi ne m'a rien envoyé de particulièrement original ou marquant, voilà, disons marquant. Il m'a juste envoyé un petit mème qui est celui-ci. Dude, you're a koala. Well. C'est une image d'un koala qui a l'air complètement à l'ouest. Voilà. Donc il m'a juste envoyé ça. Donc il avait appuyé sa candidature en partageant cette image hilarante à son goût, car il avait trouvé donc cette image hilarante. Ainsi, il l'avait partagée. Afin que je sois complètement morte de rire et que je ne sache plus où me mettre et que je fasse un mon Dieu, mais il me faut ce garçon dans mon tournoi. Et ainsi il a été pris. Voilà. Chance ou gloire à lui. Et Monsieur Ronflex, il m'a quand même, il a écrit, oui, il a fait un petit po enfin un poème, une poésie, une petite poésie que je vais vous lire. Donc il a fini, après avoir fini sa présentation, il m'a écrit. Dès que Karim Benzema le premier but a marqué. L'équipe adverse retourne dans son lit sans drap. Dès que Ronflex fait le premier sang couler, l'équipe adverse retourne traîne Syndra. Il est très très chiant à affronter. Il bénéficie de la vision nocturne. Oh oui, Ronflex laisse ses ennemis taciturnes. Voilà. C'était une poésie de Ronflex bien gras. Et bonjour à vous, ceux qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qui est un peu bas? Le son est un peu bas? Mon son à moi, dites-vous? Mon son à moi est à fond. Donc après ça, je ne peux pas le changer, mais je peux baisser un peu le son général du jeu ou de choses comme ça. Et à ce moment-là, ce sera peut-être différent. Si je baisse un peu le son du jeu. Tant bien que mal. Avoir chat qui dit un peu nimp pendant que je déménage, ça détend. Je dis un peu nimp, pas tout tout nimp, mais je dis des choses un peu. Voilà, écoutez, il faut de toute façon, c'est la première, je suis un peu perdue, je n'ai pas l'habitude d'avoir à gérer tant de choses à la fois pendant que je stream. D'habitude, je ne gère rien du tout et je fais en mode YOLO, I don't care, I do whatever I want. Aujourd'hui, là, il faut que je gère, que je dise, allez, messieurs, c'est parti, on est reparti, tout le monde en selle, here we go, guys. Et là, pour le coup, j'ai tellement de choses à faire que je suis un peu perdu encore. Oui, il y a un volume sur OBS, Hiroshiman, et il est déjà à fond, car je ne suis pas stupide, loin de là, Hiroshiman. Mais tu me prends tout le temps pour une débile, hein, je n'apprécie pas. Voilà, Hiroshiman. Retourne donc faire de la modération et occupe-toi de tes fesses.
Très bien. Nous avons notre quatrième affrontement qui fait se rencontrer deux diamants 5 qui sont mouffis et ronflex bien gras. Donc, hop, le versus qui commence. Donc, ronflex bien gras et mouffis, qui sont tous les deux diamants 5 à l'heure actuelle, vont se rencontrer aujourd'hui dans ce tournoi. Mon son est au minimum, ça vient de chez vous, messieurs. Voilà, bah, Feria le dit, chez elle tout va bien. Donc au final, ce n'est que, ça ne doit être que vous qui avez quelques soucis. Vous savez, vous pouvez augmenter aussi le son au niveau de vos écouteurs chez vous directement. C'est magique. Alors, je viens de voir, Ronflex bien gras est parti sur un flash barrière, tandis que Mouffy est parti sur embrasement et bien entendu la fatigue, comme beaucoup de gens précédemment. Il y a eu combien de demandes de participation? Il y en a eu une soixantaine, si je ne dis pas de bêtises. J'avais, oui, quand je regardais les mails tout à l'heure, c'était une soixantaine. Oui, il y a eu une soixantaine de participations pour ce premier tournoi, si je ne me trompe pas, ce qui est déjà beaucoup, sachant que 60, alors que je n'ai besoin que de 8 personnes, c'est déjà beaucoup. Et j'étais très contente qu'il y ait quand même autant de mails, j'avais un peu peur qu'il n'y en ait pas autant. Et pour autant, non, je suis agréablement surprise. Après, vous n'avez pas tous beaucoup joué le jeu sur l'originalité dans les mails, il y a eu quand même voilà, quelques poésies, un petit Vine, des petites photos, des petites images. J'apprécierais qu'il y en ait encore plus afin de tous vous afficher et de rigoler tous ensemble pendant que les games se lancent. C'est toujours beaucoup plus sympa. Alors, l'habillage en fight est un peu dense. On perd en visibilité, je trouve. Pendant les fights, dis-tu? Celui qui est en jeu, tu le trouves un peu dense, dis-tu? C'est mon frère qui me les a fait tout à l'heure, avant de commencer. Je vais demander au dernier moment, parce que c'est bien plus drôle de demander à son frère de lui faire des overlays au dernier moment. Et celui-là, je. Enfin, danse, oui et non, on voit ce qui se passe. Hein. À partir du moment où vous avez le personnage au centre de l'attention, on ne rate pas grand-chose. Alors, sur quoi sont-ils partis au niveau des objets cette fois-ci? Alors, Ronflex bien gras a racheté des trucs, puis les a revendus, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Ok, c'est reparti donc sur deux Doran et un élixir de fortitude. Fortitude. Et tandis qu'en face, au niveau de Mouffy, c'est parti sur 3 Doran Blade et un peu de régène de potes. De petites popotes. Très bien. J'ai pas pu être original. J'ai envoyé le mail à l'annonce sur 100% comédienne. J'étais pas au courant de la règle de l'originalité. Mais il n'y a pas de problème, quoi. Ce n'est pas grave. Tu retenteras ta chance une autre semaine. Il n'y a pas de problème. Si Singed est au programme, je te fais un clip dans mon labo de chimie. Il y a plus d'une centaine de personnages, hein. On pourra tous les faire à un moment ou à un autre. Il faudra juste que je me décide. Je me suis dit, Lee Sin, la première semaine, c'est bien. C'est du beau jeu, c'est un peu de skill. Un peu de fight, de tatane, de ce. Un peu de. Alors, attention, c'est. Mouffy et Ronflex sont chauds pour cette. Cette dernière rencontre avant la pub en tout cas, pour cette quatrième rencontre préliminaire. Attention, Mouffy à l'attaque sur Ronflex, il a claqué l'embrasement, il a claqué le ralentissement. Et Ronflex y retourne, Ronflex claque la barrière. Attention, le flash qui est claqué de la part de Ronflex, il s'en sort, il évite l'onde sonore de Mouffy. Et attention. Rouflex un peu dans la tourmente pour le coup. Oh là, il y retourne, attention! Les. Ouh, les creeps, les creeps, les creeps! Ronflex qui s'est pris. Oh, joli! L'onde sonore! Oh, tellement dommage! Ronflex qui a pris tellement l'aggro des creeps sur cette dernière attaque. Mouffy qui gagne cet affrontement. Ça a été très rapide! Ça a été très très rapide. Donc, hop. Mouffy qui gagne l'affrontement. Hop.
Je note. Moufi, excusez-moi, attendez un instant, hop, que je remette sur le lobby. Ce fut bref. C'est très dommage pour Ronflex, du coup, qui était pas si mal parti, qui s'est retrouvé à avoir cette attaque en plein milieu des creeps adverses, et ça n'a pas joué en sa faveur. 2-14, oui, 2 minutes 14. C'est très 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 beau. Je vais du coup vous passer une petite page de pub, messieurs, dames. Et on se retrouvera donc d'ici dans quelques minutes afin de continuer ces affrontements. Donc je répète les gagnants de ces 4 premières games sont donc Siret 2, Nexus 74 bis, Victor Urgot et Moufi. Voilà, bravo à eux, on va continuer ça tout de suite après. Après quoi? Après la pub. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur ce tournoi 1v1 Highlander du Cheshire avec moi-même, chat du Cheshire. Vous ne me voyez pas? Non, 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 non. Vous ne pouvez qu'entendre ma douce voix sur ce stream. Oui, car malencontreusement, j'ai réalisé à la dernière minute que ma caméra, enfin ma webcam avait complètement disparu. Je ne sais absolument pas où elle est. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée ainsi, donc je fais sans aujourd'hui. Mais vous vous en remettrez, bien entendu. Du coup, nous continuons tout de suite. Ce tournoi, donc, comme je le disais tout à l'heure avant la pub, nous avons eu quatre affrontements qui se sont très bien déroulés. Et les quatre gagnants de ces affrontements sont donc Siret 2, Nexus 74 bis, Victor Urgot et Mouti. Donc ces quatre protagonistes vont ainsi se retrouver en duel maintenant, tout de suite. C'est parti. Hop, un superbe mot de passe qui n'existera pas. J'invite tout de suite, donc j'ai dit que ça commençait par Siret 2 et Nexus 74. Hop, messieurs, s'il vous plaît, dans la game. Hop, whenever you're ready, guys. Nexus, vous pouvez, s'il vous plaît, lancer quand bon vous semble. Donc Nexus 74 et Siret, qui ont tous les deux remporté leur duel précédent. Siret contre Slayer Tokiro et Nexus contre Pakit. Voilà. Eliam, tu passes à la télé. Qui est Eliam? Je ne sais pas, mais apparemment il passe à la télé. Voilà. C'est parti pour cet affrontement. Avant-dernier non, car il va y en avoir encore un après. Et ce sont un peu les demi-finales, j'ai envie de dire. D'une certaine manière. Après, je ne sais pas si on fera une petite finale, il n'y en a pas vraiment besoin que je sache. Non, je n'ai pas demandé à Mimo qu'elle me fasse un joli tableau pour mon tournoi, il est vrai, mais ce n'est pas elle qui l'ait fait. Que se passe-t-il? Pourquoi le son? Ah, pardon, non, c'est le delay remaining. J'ai eu un petit souci de. J'ai entendu le son qui s'est barré, j'ai eu peur qu'il se passe un problème. Et non, donc du coup, non, je n'ai pas demandé à Mimodi qu'elle me fasse un joli tableau pour mon tournoi, mais ce n'est pas elle qui les fait elle-même, les petits tableaux, c'est un ami, j'ai envie de dire, un ami à elle, qui les lui fait. Et non, il est vrai que j'aurais pu demander à me faire un tableau, mais en soi, on n'est pas complètement perdu, je répète et je le redis encore et encore. Nous sommes donc dans les demi-finales. De ce petit tournoi Highlander du Cheshire, qui commence sur des chapeaux de roue, bien entendu. Pas de cam, une ambiance de folie, vous avez une voix suave qui vous commente les choses, je veux dire, tout se passe pour le mieux, quoi. Mais c'est le début, mais bien entendu, c'est normal. Je suis un peu perdu encore dans le déroulement des choses, mais ça ne devrait qu'aller en s'améliorant, bien entendu. Si les gens veulent m'aider à m'améliorer, n'hésitez pas à mal. Oui, les gens font leur propre pub sur le chat. C'est bien, messieurs. Faites donc, pubez-vous indéfiniment sur ce chat. C'est fait pour, bien sûr. Alors, il y a des gens qui demandent des infos pour les runes.
Tout à fait, chat. Oh, bien sûr, je plussoie cette. Mets le chat hall si tu veux voir la réac des gens. Le chat hall? Quel chat hall? De quoi parles-tu? Je ne sais pas de quoi il parle. Et il est vrai que j'ai une voix et encore je ne la pose pas complètement. Si je pose ma voix complètement comme ceci, ça donne quelque chose encore plus perturbant. Nous sommes donc aujourd'hui. Ça me fait penser un peu à la voix sur la radio. Quelle radio déjà? Je ne sais plus laquelle exactement. La voix de Chat est nettement plus appréciable que celle de Mimo, je trouve. C'est merci Blancos, ce n'est pas très gentil pour la voix de Mimoti pour le coup. J'ai une voix un peu plus grave et ainsi ça passe beaucoup plus smooth. C'est smooth. Voilà. Si je pose un peu ma voix comme ça, j'ai l'impression d'être l'animatrice de Radio Nova. Elle parle un peu comme ça. Voilà, c'est un peu en mode jazz radio. Nous sommes donc aujourd'hui sur le Highlander du Cheshire. Nous avons cette game qui va se lancer entre Siret 2 et Nexus 74. Très bien, la game se lance. Ainsi, nous allons passer au chargement de la game. Mesdames, messieurs, c'est parti, allons-y. On va se faire plaisir devant ce petit duel. On dirait classique, le soir tard, la nuit. Mais c'est ça, c'est assez perturbant quand je pose cette voix un peu comme ça. Même moi, j'ai l'impression que ce n'est pas ma vraie voix et que j'écoute une radio posée dans mon canapé avec vous. Je dis n'importe quoi. Le mieux, c'est la voix de fin de soirée, le chat avec une clope. Tu la connais, Jupai, ma voix de fin de soirée. Et ouais, ça donne quelque chose dans ce genre-là. Voilà, c'est posé. Alors, messieurs Nexus 74 et Siret 2 sont partis sur un embrasement ainsi que sur une fatigue. Tous deux sont partis là-dessus. Voilà. Alors, par contre, au niveau du build, alors, ça part donc sur les Doran Blades ainsi que sur un élixir de fortitude. J'aime bien dire élixir de fortitude. Voilà, du côté de Nexus, en tout cas, ça part là-dessus. Pour ce qui est de Cyred, je ne sais pas. On ne le voit pas pour le moment, il n'a pas encore mieux. Tu rigoles beaucoup en fin de soirée, donc bon. Ah, je rigole beaucoup en fin de soirée. Tu mets 20 € sur Mufi, Marek? Serais-tu un ami de Mufi par hasard? Alors, nous avons ce chef Cyred qui est encore parti sur une. Pourquoi part-il toujours sur des potions de mana? Je vous le demande. Je ne sais pas. Il troll. Ça troll. Et pourquoi n'ai-je pas le. Je n'ai pas le chat. Le chat des gens. Je sais pas comment on fait. Je n'aurai pas l'occasion de voir ce qu'ils se disent. Peut-être qu'ils s'insultent fortement. Je ne le saurais pas. Alors, Cyred, ou Cyred qui place son petit kiouf sur Nexus 74 bis. Je précise. Cet affrontement va pouvoir mettre en place un déroulement. Le retour de la troll pote mana. Oui, c'est vrai qu'il en avait pris une aussi, une mana pote, quand il a fait son premier duel tout à l'heure. Il me semble que c'est Cyred aussi qui était parti sur une pote de mana. Ouh, le Q qui passe de la part de Cyred qui revient directement. Nexus aussi place un peu d'onde sonore là. Mais ça y va gentiment des deux côtés là. Hein. Un peu de tempête par-ci, d'onde sonore par-là. Attention, c'est reparti. Est-ce que ça va claquer quelques summoners? Non, non, non. Non, 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 loin de là. Bon, ça a claqué les.
Ça a claqué les élixirs des deux côtés, par contre. Hein. Sirène, Sirène qui a claqué son embrasement sur le Nexus. Sur le Nexus, enfin sur Nexus 74 de bis. Quelle idée aussi de prendre le pseudo du Nexus. Donc il n'y a plus d'embrasement du côté de Sirène. Il y en a toujours du côté de Nexus. Et bien entendu, Sirène, lui, par contre, il lui reste une pote de mana. Donc je pense qu'il a largement l'avantage à ce niveau-là. Avec sa pote de mana, je pense vraiment qu'il a un avantage plutôt conséquent. Et je n'aimerais pas, bien entendu, choisir de favori, hein, mais Sirène et sa pote de mana, c'est quand même assez impressionnant. Agression sur Sirène de la part de Nexus. Deux ralentissements qui ont été claqués, l'embrasement, attention! Et le First Blood pris de la part de Nessus. La Blue Pot n'aura pas sauvé Sirène. J'en suis désolé, Sirène. Donc, cet affrontement gagné par Nexus. Hop. Je remets un petit... Oui, je note sur mon petit bout de papier qui gagne, qui perd. Excusez-moi, je rechange lobby. Ah, il te demandait si tu aimais les pralines. C'est fort sympathique. On a un dernier affrontement encore qui sera Mufi contre Victor Urgot. Mufi, Victor Urgot. J'espère que c'est toujours là. Mufi, Mouti, 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 Mouti est là. Et Victor Urgot est là. Voilà, nickel. Hop. Messieurs, s'il vous plaît, joignez ce petit lobby afin que nous puissions partir. Qui est-il, que dites-vous? Je pense que c'est pour ça, parce que Velit Marek... Ah, c'est juste une popo, oui, non, la troll. Oui, non, mais c'est une popo de mana, hein. Et maintenant, un concerto en do mineur, composé par Hermann Schwarzbrunner en 1679, et joué au Strauss-Mönchner-Stabg lors du Festival de musique classique indépendant de Bruges, et dirigé par Jan Stieglitz. Ça te va, Hiro? Voilà. Dernière, c'est la demi-finale encore, c'est toujours une demi-finale parce qu'il y a deux demi, enfin il y avait deux demi. Ce sont les demi-finales. Mouti contre Victor Urgot. Je suppose que Victor et Urgot sont des personnages qu'il apprécie. Je suppose. Chat, je t'ai fait un magnifique poème sur mon légume préféré et tu le lis même pas. Si, c'est vrai, Worsfist, tu m'as fait un poème magnifique. Et c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de le lire. Alors tu m'as fait un très très beau poème. Pas qu'un poème, enfin le poème était très bien. Le mail était plutôt drôle car il était très long. C'était un très long mail, il est vrai. Donc Worsfist qui jouait, enfin qui était Sirène 2. Qui vient de se faire battre à l'instant. Alors, voilà. Donc, il y a donc un poème qui accompagne... je sais pas, j'ai complètement oublié. C'est vrai qu'entre Worsfeed et Sirène, j'ai eu un peu de mal. Donc, comme Worsfeed, comme Fizz habite dans un appartement en pleine ville, il a fait un poème sur son légume préféré. Alors, je vais vous lire ce poème. Dans mon jardin, il y a plein de légumes. Non, attends. Les rimes en hume, c'est trop dur. Donc, alors, il est parti sur autre chose, au final. Il m'a fait une fausse joie, tout de suite. Des légumes à foison, dans mon jardin, je cultive. Carottes, salades, endives, tomates et potirons. De tous, je préfère, cuit mais aussi cru, le plus doux, le plus incongru, un légume centenaire. Ennemi des tout-petits, mais ô combien savoureux. N'a d'égal son moelleux, et sa saveur, pardi. Mais finalement il me faut, avant de clore ce texte, nommer et sans complexe, ce nom sans défaut, à l'étuvée ou en sauce, c'est surtout un régal. Ah, que s'est-il passé? Je n'ai pas pu finir, qu'est-ce qui se passe-t-il, les amis? Pourquoi la game ne s'est pas lancée?
Parce qu'ils ont mis moins de 3 minutes à se tuer, c'est ça? Me dites pas que vous avez mis moins de 3 minutes, les gars, à vous tuer, c'est ça? Vous avez mis moins de 3 minutes à vous tuer, vous êtes sérieux? Genre les mecs, ils se sont rencontrés au milieu et boum boum, quoi. C'est... Ils ont... La game est déjà finie. Ouais, mais c'est ça, hein. Qui a gagné, s'il vous plaît? Ah, c'est pas vrai, ça. Vous avez réussi à vous... à battre le record, quoi. Qui parle? Où parle? Ah mais merde, on a Liv avant du coup. Ah mais non, vous avez scié les gars, vous auriez dû attendre un peu. Bah oui. BG. Vous ne m'avez pas laissé le temps de rejoindre la game, de voir ce qu'il se passait. Propre. Alors, qui a gagné du coup? Dites-moi. Bah, dites-moi du coup qui a gagné. On va pas tout refaire, hein, c'est pas grave. Bibi. D'accord, Mufi a gagné. Très bien. Good job, Mufi. Donc, il nous reste donc Nexus et Mufi pour notre grande finale. Bien entendu, je rappelle qu'il y a un t-shirt à gagner à la clé, un t-shirt de votre choix. Un t-shirt de votre choix dans la boutique au gaming. Vous pouvez même me demander de le faire dédicacer si bon vous semble. Si vous n'avez pas envie de le faire dédicacer, bien entendu, vous n'aurez pas de dédicace, hein, comme bon vous semble. Donc, Mufi et Nexus vont se rencontrer pour cette finale. Savoir qui des deux aura donc le dessus sur l'autre. Avant cette petite finale, je vais vous refaire une petite page de pub avant cela. Et ainsi, après ça, nous aurons cette grosse finale tant attendue, j'ai envie de dire. Personne n'a gagné, ils se sont tués en même temps. Bah non, du coup, si, il y a bien eu quelqu'un qui a gagné. Nexus, quoi. Il a gagné vraiment des années. Qui a gagné? Il a gagné vraiment des années. On a fait un pas de t-shirt pour moi cette fois-ci. Une prochaine fois, maybe, bien entendu, Victor Gott, vous avez le droit, tant que je ne ferai pas vraiment attention à qui envoie quoi pour les mails, vous pourrez réenvoyer des mails et tenter votre chance pour rejouer, bien entendu, durant une autre semaine sur un autre personnage. Juste tant que vos mails sont originaux et sortent un peu du lot, à ce moment-là, je prendrai souvent en compte les participations à ce niveau-là. Très bien, donc je disais, petite pub. Petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et nous sommes de retour en ce dimanche 29 juin 2014. Oui, je pars sur les chapeaux de roue avec ma voix et après je redescends gentiment. Si vous êtes toujours avec le chat, pour les Highlanders du Cheshire sur OGaming TV jusqu'à 20h. Même si je pense que nous aurons probablement fini avant. Il nous reste donc la grande finale qui fait se rencontrer Nexus 74 bis contre Mufi. Et Mufi et Nexus sont donc ready pour cette finale qui sera un BO3 dans le Holding Abyss. Alors, Mufi est là. Et Nexus est là. Parfait, super. Messieurs, je vous en prie, whenever you're ready. Donc c'est un BO3. Donc on va le jouer 3 fois, exactement. Tu ferais nimp, chat du Cheshire, on te le dirait aussi. Ou alors, il n'y aurait personne pour le dire. Vous me le diriez aussi si je faisais n'importe quoi. Vous êtes bien gentil. Oui, un petit BE3. Pourtant, je l'ai dit, mais t'es pas sur la conversation, Nexus. Que fais-tu? Pourquoi tu n'es pas sur la conversation? Je t'ai rajouté dedans pourtant. Après, il faut accepter cette conversation. Si tu n'acceptes pas cette conversation, tu ne peux pas suivre ce qu'il se passe. Voilà. Ces messieurs sont donc partis dans cette première game.
Donc, comme vous pouvez le voir, EXO s'embrasement, bien entendu, ça part là-dessus, on est pas dupes, ils sont tous partis sur ce genre de début. À part une seule fois où on a eu un flash barrière. Un petit flash barrière, je pense que je ne sais plus qui avait sorti ça, il me semble que c'était Ronflex bien gras. Il me semble que c'est lui qui avait sorti un petit flash barrière, il ne s'en sentait pas à l'aise avec l'embrasement et le ralentissement, apparemment. Ça sent la grosse soirée hier. De quoi parles-tu, Fizz? As-tu eu une grosse soirée hier avant le tournoi? Et c'est pour ça que tu n'as pas réussi à sortir des poules? Oh, mon cher Fizz! Oui, car Fizz, GG Wars Fizz, a joué tout à l'heure en tant que Sired 2. Il a quand même gagné son premier match. Hein, mine de rien. Pas si mal, le coco. Et pour le coup, maintenant, nous nous retrouvons en finale. Mufi, Nexus, j'espère que vous êtes tous les deux très chauds et que vous êtes partis pour gagner, car il y a quand même des petits t-shirts à gagner, un petit t-shirt à gagner, celui qui vous semble le plus à votre goût. Car comme vous le savez, au gaming, a des t-shirts particulièrement beaux, si j'ai envie de dire, enfin plutôt swaggy, j'ai envie de dire swaggy aujourd'hui. Ma voix? Ah, ma voix, non, ma voix, elle est tout à fait normale. Ma voix est tout à fait normale, j'ai juste chopé un peu froid et j'ai un peu mal à la gorge. Et du coup, c'est embêtant. Je me sens un peu patraque, mais ça va. C'est juste un petit coup de froid à cause de ce petit chaud et froid qu'on a eu avec la pluie et le vent. Et c'était une soirée, du coup, agitée. Plutôt, c'est la dédicace qui pèse un peu. Oui, c'est vrai que vous pouvez le faire dédicacer par qui vous voulez, en fait. Hein. Si vous voulez une dédicace de chips, un dessin de noix, un bisou de pompe avec un rouge à lèvres que je lui prêterai sur le t-shirt ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, le gagnant me le fera savoir et... Et ainsi, il aura son t-shirt dédicacé et le t-shirt de son choix. Voilà, tout simplement. Ce qui est quand même plutôt sympathique. Et ça met toujours un peu de temps. Je pense que. On va pas. Je pense que je me rentrerai directement dans la game avec ces messieurs pour les prochaines. Car il est vrai que 3 minutes d'attente entre chaque. C'est un peu. Même si, voilà, c'est plus sympa de le voir comme ça, mais. Au final, ça prend un peu de temps. Un pet de tude, oui, tout à fait, Fizz, si tu veux. Hein. Si tu veux que quelqu'un pète sur ton t-shirt, bien entendu, je fais en sorte que ça arrive. Que ça arrive. Oh god, ouais. Boss pompe. Non, mais je disais ça comme ça. Enfin, je lançais des suggestions, mais après, c'est comme bon vous semble, bien entendu. Une trace de rouge à lèvres de toute la team au gaming et la photo preuve, on peut demander ça. Tu demandes un peu beaucoup quand même, encore faut-il que tu gagnes, Jupay. Encore faut-il gagner, et là à ce moment-là, c'est à toi de voir où ton imagination te mènera. Un peu de vomi de Funka, oui, mais bien sûr, Hiro, bien sûr, tu pars très loin quand même. Je ne pense pas que ça intéresse grandement les gens que quelqu'un vomisse sur un t-shirt qu'on va leur envoyer. Mais après, chacun son truc, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, je ne suis pas convaincu hein, par ce genre de demande. Ah, tu ne fais pas de sushi? Ah, pardon, excusez-moi, petit coup de barre. Tu ne te fais pas de soutien avec ton trèche, Jupay. Très bien. Eh bien, on verra la semaine du trèche, alors. Encore faudrait-il que tu sois... Tu sois, comment dire, que tu sois sélectionné au mail, et là à ce moment-là, on verra si tu arrives jusqu'alors à te faire sélectionner, à arriver en finale, à gagner la finale, et après à ce moment-là, on pourra réfléchir à ta demande de t-shirt dédicacé au rouge à lèvres par tout le monde, ou que sais-je encore. Oh, excuse-moi, eh bien Nexus 74 bis met 4 plombes à se connecter à la game. Je crois qu'il a eu un petit souci. Donc il est bloqué. Ah non, c'est bon. Ah, parfait.
Je me disais, ça commence à être un peu longuet quand même. Alors, du côté de mon fils, à part Doran Blade, il n'a pas pris d'élixir avec lui. Nexus, par contre, est parti lui sur l'élixir et de Doran Blade. Alors, est-ce qu'il va y avoir un peu d'affrontement directement en mid lane avant même? Tu me vendras du rêve, cher Jupai? Eh bien, je n'attends que ça. J'ai hâte. Je ne sais plus où me mettre, je ne sais pas comment je vais faire pour attendre jusque-là. Tu as la semaine du Ramus, fils? Est-ce que je regarde les champions que nous vous. Oh, excusez-moi! Le coup de barre. Est-ce que je regarde les champions que vous mainez pour les sélectionner? Non, absolument pas. Je ne m'amuse pas à regarder vos champions que vous jouez d'habitude pour la sélection. C'est vraiment au mail et par rapport au fait si le mail que vous m'avez fait est disons, plus ou moins original en fait. C'est vraiment une histoire d'originalité. C'est vraiment une histoire d'originalité et de savoir. Les deux tempêtes qui ont été claquées du côté des deux joueurs. Donc comme on disait, Nexus lui est parti sur l'élixir. Mouffi non. On va voir en qui ça joue. Envers qui il va y avoir plus de faveur. Nexus à l'agression sur Mouffi. Mouffi qui réplique. Attention, ils se sont fait un peu de mal, hein, tous les deux. Ils se laissent pas faire. Ils veulent vendre un peu de beau jeu pour cette finale qui se passe donc, je le répète, en BO3. Mouffi qui retourne. Il n'y a pas de sort d'invocateur qui ont été craqués pour le moment. Non, 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 non. Je pense qu'ils vont attendre le dernier moment avant de se permettre. Oh, excusez-moi. Je baille, je baille. J'annonce quand le champion, j'ai des mails à bosser moi. Je vais annoncer le champion de cette semaine à partir de demain, je pense. Je vais y réfléchir encore un peu parce que j'avais une idée en tête, enfin un champion en tête, mais je ne sais pas encore si je vais mettre lui cette semaine ou un autre. De toute façon, vous serez les premiers avertis, bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Vous serez les premiers mis au courant. Du champion de la semaine. Moi, comme je l'ai dit, j'ai attrapé froid et je suis un peu du coup patraque fatiguée, un mal de gorge, c'est sympathique. C'est pour ça que je parle à. Je ne pars pas trop à crier, je ne peux pas me le permettre. Et l'onde sonore de Mouffy, est-ce qu'il va aller lui prendre? Oui, il allait lui piquer son heal, ce coquinou! Mouffy qui a piqué le heal de Nexus. Nathalie Baye. Mais oui, mais c'est une blague, c'est Nathalie Baye, c'est une blague. Non, je suis pas toujours malade, c'est complètement faux, je suis très peu malade. Alors excusez-moi, du coup j'étais accaparé, j'étais en train de dire ce que vous disiez sur le chat, mais il y a eu une action, ouh, il y a eu une action qui a fait perdre beau, ils ont claqué tous deux tous leurs sorts d'invoque, que ce soit embrasement et les ralentissements. Je suis désolé, j'ai absolument pas suivi cette action qui devait être assez mythique quand même, parce qu'ils se sont retrouvés tous deux très 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 low life. J'aurais bien voulu voir ce qui se passait. Du coup, j'ai à moitié regardé. Ah bah, GG moi, excusez-moi, je suis vraiment très distraite. Ouh, il y a mon fils qui va se chercher sous la tour! GG, mon fils! Bien joué! C'est le First Blood, donc, sur cette première game qui va à mon fils. Donc, un point pour mon fils. Et Nexus qui n'a pas de points pour le moment. Voilà. Alors, 1-0 pour le moment. Pour Mouffy, on va repartir tout de suite dans une nouvelle game. Merde. Hop, create. On va réinviter tout le monde. Qu'est-ce
soit Nexus. Nexus au Mophi. Enfin, Mophi, c'est écrit Mouti, mais il veut qu'on l'appelle Mophi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais rester avec eux, ça ira plus vite. Je vais prendre un champion pourrite. Merde. Je vais prendre un champion, un petit Teemo ou une connerie du genre, et je vais aller me mettre à côté d'eux. Map, map. Whenever you're ready, guys, je vais partir avec vous. Comme ça, eh bien, au moins je n'aurai pas à attendre 3 minutes par game. C'est un peu longuet quand même. Fatigue par ralentissement, chat. Mais fatigue et ralentissement, c'est la même chose. Est-ce que ça trade pas l'XP? Non, bien sûr, je reste à la base. Je reste à la base. Il n'y a pas de souci, les gars. Je reste à la base. Je ne viendrai pas vous piquer l'XP sur les sbires. Assurément. L'XP passif sur la RAM. Donc, je suis pas sûr à 100%. Oui, il me semble pas que ça change grand chose. L'XP passif, c'est différent. C'est un truc que je vais gagner tout seul. Ça ne changera pas. C'est à Mouti de lancer la game, très cher Mouti. Whenever you're ready. Oui, je me mettrai avec Nexus pour la prochaine, ou avec l'un ou avec l'autre, peu importe. Faut que tu fasses ça, chat, sinon tu vas manger l'XP. Non, je vais pas manger l'XP parce que je vais pas aller me mettre à côté. Pardon. Je vais prendre n'importe quoi, on s'en fiche de toute façon. C'est juste afin de garder. Non, si je prends l'XP, c'est. Ça va donner un désavantage mental à celui qui t'a dans ton équipe. Il est vrai qu'il aura probablement un désavantage mental. Du coup, j'ai tout défait mon versus. Donc là, maintenant, vous voyez le versus. Ah, il y avait un écran noir derrière l'overlay? What? Ah, mais oui, mais c'est moi qui n'ai absolument pas changé mon overlay en fait. J'avais laissé l'overlay de en jeu en fait, alors qu'on n'était pas en jeu. Donc tout de suite, bien sûr que c'était écran noir vu qu'il n'y avait pas de jeu. Bien entendu que ça ne marche pas. Ça marche moins bien tout de suite. Regardez, je voulais vous mettre une image, photo, un truc, une connerie. Est-ce que j'ai des photos de moi? Ah merde, je n'aurai pas le temps de vous le faire. C'est pas grave. In game. Voilà. Moi je reste là, je ne bouge pas. Et je vais regarder ce qui se passe au mid. Je vais faire un petit slash dance. Voilà, comme ça je fais la danse du feu et pendant ce temps, nous allons regarder ce qui se passe. Hop, alors que voulais-je faire? Alors, je voulais remettre l'IRC. Et du coup, mon overlay n'est pas bon. Voilà, je vais vous mettre celui-là, c'est pas grave. Très bien celui-là. Ah, on pourrait qu'on doive la réveiller pour ses émissions. Oui, c'est vrai que vous m'avez déjà plusieurs fois réveillé pendant mes émissions. Avant mes émissions en tout cas. Alors, nous avons le cher Mouti qui est ici. Ce cher Mouti qui attend sous sa tour. Donc Mouti qui a une game d'avance sur ce cher Nexus 74 bis. Il a gagné la game précédente contre Nexus, donc je me répète encore une fois. Attention, le petit Q qui n'est pas passé de la part de Nexus. Agression. Excusez-moi. Donc si Mouti, enfin Moufi, Mouti, peu importe, si Moufi gagne cette game, agression de Nexus sur Moufi, qui ne se laisse pas faire, bien entendu.
Non, 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 ce serait trop facile. Un Nexus, il retourne, hein. Il en veut, il en veut. Il est parti sur une popo cette fois. Ouais, oui, il a pris son élixir. Je n'ai pas vu si Mouffy du coup avait pris. Non, il avait pas pris d'élixir, Mouffy. Attention. Le Q qui repasse sur Nexus. Mouffy qui ne perd pas l'avantage quand même, hein. Ça c'est un vrai overlay. Mais non, mais ils sont très bien mes overlays aussi qui ont été faits pour le Highlander. Ils sont très très bien. C'est avec des éclairs et tout, je trouve ça très 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 badass. Ouh, attention Mouti qui a pris un petit tout coup de tour quand même en essayant d'aller choper Nexus sous sa tour. J'ai le nez complètement bouché, c'est embêtant! Ah! Nexus, attention. Mouti qui quand même. Il n'est pas complètement confiant. Hein. Il veut pas se laisser trop. What warning? Ah oui, c'est vrai. Sinon, je vais me faire déconnecter. Je suis en train de regarder ce qui se passe et non d'interagir avec eux. Oui, je vous montre les stuffs. Comme je disais tout à l'heure, Mouti est parti lui sur 3 Doran Blade, tandis que Nexus lui est parti sur 2 Doran Blade et a acheté un élixir de fort de fortitude. De fortitude. Oh, Mouti qui part sur la tour, qui claque son embrasement sur Nexus et le First Blood en faveur de Mouti. GG Mouti. Qui remporte ce BO3, cette finale! Qui remporte cette finale? GG Mouti. Il a été le chercher, il a été chercher sa victoire, Mouti. Il la voulait. Mouti qui donc remporte ce premier tournoi d'Highlander du Cheshire. GG Mouti. GG Mouti. GG Mouti, alors attendez, je vais juste vous changer de truc, c'est mieux quand même, parce qu'on n'est plus en jeu. Ah, pour la plupart des cultes, Diana, pas pour les athées, que... Oh, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais vous êtes encore parti sur une discussion qui n'a aucun rapport avec ce qu'il se passe, apparemment. Du coup, Mouti qui a remporté ce BO3 contre Nexus. Nexus qui s'est quand même très bien battu sur ces deux games. GG à Mouffy. Mouffy, GG! GG à toi, tu as gagné le t-shirt de ton choix, dédicacé par les personnes là, ou les personnes de ton choix. Et bien entendu, ou si tu ne veux pas de dédicace, tu n'auras pas de dédicace, hein, on ne t'oblige pas à dédicacer, à vouloir une dédicace sur un t-shirt, car peut-être que tu auras peut-être envie de le porter un moment X ou Y. De toute façon, je devais voir avec toi directement. Pour ta récompense en ce jour, et tu auras ton nom bien sûr gravé dans le marbre à jamais dans la plaquette de marbre que nous gardons au Gaming TV, bien entendu, pour toutes les personnes fort importantes dans ton genre, bien entendu. Et non, je dois faire une petite Aram Viewer, je suis en train de mourir à petit feu car je suis bien fatiguée et un peu malade. Du coup, je crois que je vais vous laisser avec une grosse page de pub, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à tous ceux qui se sont inscrits. En tout cas, merci à vous tous. Merci d'avoir tenté votre chance et n'hésitez pas à renvoyer des mails pour vous inscrire aux prochains tournois qui seront avec un personnage différent que je vous annoncerai dès demain. Ça regarde un peu encore la surprise. Et du coup, merci à tous ceux qui ont tenté de s'inscrire, tous ceux qui se sont inscrits, tous ceux qui ont participé et qui ont été là aujourd'hui, qui ont été au rendez-vous, merci à vous. Et j'espère qu'on pourra faire encore mieux la semaine prochaine, car c'était là. C'est vrai que là, je me sentais pas complètement au top de ma forme, mais au top de l'animation. Mais je ne pourrais faire que m'améliorer et améliorer ceci. Mouti, peu importe ton pseudo, GG à toi. Je reviens vers toi tout de suite après avoir lancé la pub, bien entendu, très cher, afin que nous décidions ensemble
quel serait ton choix pour le cadeau? Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous laisse en compagnie de la pub et je vous dis, je vous souhaite surtout une très bonne soirée. Et vous avez le Heart Show qui commence à partir de 20h sur la TV1 et les LCSNA sur la TV2 à 21h. Voilà, vous avez un programme chargé ce soir. Merci encore. Bonsoir.